Perdu de du monde. Tiens, oublie pas, c'est Gucci, Gucci Ville. Ouais, Gucci Ville, non, la non. Gucci. Non, vas-y, mais je vais. Yo la populace, vous avez vu là en fait on a fait le premier tour des H&M, on est parti là-bas, voilà, ils n'avaient pas le truc, on est parti, il y a des gars, nous ils sont partis dans un autre magasin H&M, ils en ont trouvé, donc là on va aller, on va foutre le bordel dans le magasin, on va leur envoyer un message parce que là vous inquiétez même pas, là on fait les magasins pour retirer, pour leur faire comprendre, je vous dis faites la même chose, rendez-vous dans les magasins H&M. Où il y a ces modèles, foutez le bordel, envoyez les vidéos, taguez-moi sur les vidéos et vous inquiétez même pas que on va aller aussi au siège social. Tout est prévu. Donc on y va. Action LDNA. Voilà la famille. Là aujourd'hui vous allez être au cœur des bails. C'est clair. C'est précis. Faites tourner la vidéo, les frères. Un responsable. Non, laisse-moi. Va me demander un responsable du magasin. Donc, c'est ça qui colle sur des Renois. C'est ça qu'ils ont pris l'enfant Renois, ils l'ont collé ça dessus. C'est-à-dire, nous, on est des singes les plus cool de la jungle. Bon, on va leur montrer si on est des singes cool ou pas cool. Comme ça, ils nous le diront. Pourquoi ils l'ont pas mis sur un Chinois? Pourquoi ils l'ont pas mis sur un extraterrestre? Pourquoi ils sont partis prendre un Renois pour le mettre ça dessus? Le singe le plus cool de la jungle. Quand je vous dis, tout s'envoie dans les images. C'est les images qui font tout. C'est ça, vous comprenez pas que les images, c'est super important. Attends, je vais te retirer le truc là parce que tu... ça continue. On a amélioré la qualité de la vidéo, mais ce qu'on disait... Donc c'est ça, ça veut dire c'est ça là qu'ils ont mis sur des enfants noirs. En disant que des monkeys, ben nous on va leur montrer, comme vous le voyez, c'est la LDNA en action. C'est la Ligue de Défense Noire Africaine. Nous on n'est pas des singes et on ne laissera plus des sociétés, des marques, tu vois, manquer de respect à la communauté noire. Vous pouvez nous traiter de ce que vous voulez, extrémistes, communautaires, moi j'ai rien à foutre. Moi. Ça veut dire si vous voulez rester à vous faire manquer de respect, à commenter, à laisser des commentaires, c'est vos problèmes à vous. Mais dorénavant, je vous dis, allez dans les magasins H&M, foutez le bordel, envoyez-moi les vidéos, taguez-moi sur les vidéos. On doit se faire respecter. Et si on veut qu'on nous respecte, montrons-leur que, t'as vu, on les respecte, qu'ils nous respectent. Les gens n'ont pas à nous manquer de respect, à nous traiter de singes pour vendre leurs produits et aller sur Europe 1 s'excuser. Moi, je suis désolé. Moi, qu'ils mettent ce pull-là sur un enfant chinois, tout ça, je m'en fous. Mais qu'ils prennent le pull pour le coller sur un enfant noir en disant le singe le plus cool de la jungle. Et le pire, c'est que je vais voir des Africains, des Noirs qui vont acheter ces trucs-là pour les mettre sur leurs gosses. C'est là où je dis, au fait, en Afrique, les Noirs, on n'est pas prêts d'avancer. Bref, il va me ramener le responsable. S'il vous plaît, madame, vous pouvez bouger d'ici parce que ça va pas. Au début, je dors, elle est à ton petit côté. Ramène les produits, on les ramène à la caisse. Mais je l'ai vu venir là, pourquoi elle vient pas? Non, parce qu'en fait, la dame là, c'est un truc, genre à moi, elle a rendez-vous. Je dis, elle va dire que ce soit elle là. Non, c'est elle, elle va lui demander. Et même, elle est débordée à ce vaisseau. Ah mais parce que s'ils veulent que je commence à tout saccager dans le magasin, il n'y a pas de souci, je peux commencer à tout saccager dans leur magasin. Donc ça va être simple. Ah, il est
donc. Donc, vous le faites quand même. Hein. Je t'ai caché derrière ça. Eh, hey, tu vas me renverser tout ça là. Tout ça. Tout ça. Eh, hey, monsieur, tous ces trucs là, tout ça là, vous allez les mettre dans votre cave là. Tous ces pulls là, vous allez tous les retirer du rayon, monsieur. Et nous, on se présente, nous, c'est la LDNA, c'est la Ligue de Défense Noire Africaine. Tous ces pulls là, vous allez les mettre en réserve. Et vous n'allez plus les vendre dans le magasin. Là, on est encore gentil. Si, parce que si on veut, on peut retourner tout le magasin ce matin. Non, mais vous savez pourquoi on est là? Vous le savez? Je peux vous. Vous pouvez filmer, il n'y a pas de souci. Vous savez pourquoi on est là? Donc, pourquoi vous les avez laissés dans le magasin? Si votre responsabilité, le magasin H&M, c'est parti ce matin sur Europe 1 pour s'excuser. Pourquoi vous laissez encore ces choses-là dans le magasin? Écoutez, moi, je n'ai pas reçu de mail encore de ma direction. Donc vous avez besoin de... Non, mais vous savez très bien comment ça se passe, monsieur. Ça veut dire, là, si moi, je viens avec... Attendez, non, mais attendez deux secondes. Si je viens avec un pull, ok, je vous le colle dessus, j'écris, je suis le nazi le plus cool de la France ou de l'Europe. Ça va vous plaire? Non, ça me plaît pas. Nous, on est des singes. Mais est-ce que je vous ai dit ça? Non mais votre, monsieur, vous inquiétez pas, on met la caméra, c'est pour votre sécurité, notre sécurité. On va rien vous faire, nous on est des singes, parce que là on est gentil, parce que si je veux là, tout le magasin là, calme, magasin, je peux tout saccager dans le magasin. Ok, je vous le retire, il n'y a pas de souci. Parce que là, vous manquez trop de respect à la communauté noire en France, pour vendre vos putains d'articles de merde là. Je vous retire, il n'y a pas de problème. Parce que vous manquez trop de respect pour vendre vos articles, parce que ça commence à trop faire. On fait la même chose, on tape sur les noirs et après on s'excuse pour vendre des produits. Vous allez, vous prenez un enfant noir, vous le collez le t-shirt, je suis le singe le plus cool de la jungle. On est où? Monsieur, on est en 2018, monsieur. Monsieur, je suis carrément d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Je vais mais refaire, vous là. Avez un responsable ici ou pas? J'avais un responsable, moi, non. Je suis responsable. Non, au-dessus de vous. Direction. Direction. Mais vous n'avez pas personne. Il est où, directeur du magasin ou un truc comme ça? C'est moi, mais du coup. C'est vous. C'est moi, mais du coup. Mais vous savez très bien pourquoi vous les avez laissés dans le rayon. Mais monsieur, je viens d'apprendre l'histoire, là, il y a 5 minutes, en regardant sur mon iPhone, qu'il y avait eu un article sur Europa ce matin. Je viens de voir. Mais fallait l'enlever directement, monsieur. Vous êtes directeur du magasin. Je viens d'arriver. Derrière, c'est ma collègue qui est venue me chercher. Il n'y a personne chargé de communication ici? Parce que depuis ce matin, nous, on prend notre tour, on prend le temps, on fait le tour de vos magasins de merde là pour faire retirer tous ces articles. Mais du coup, c'est bon, je le retire, il n'y a pas de souci. Oui, mais là, on veut des explications mais la là, prochaine mais là, on fois. Veut des explications. Attendez, monsieur, on parle avec le siège. Aussi. Mais vous inquiétez pas que le siège, il va être attaqué aussi. Mais on vous dit, si on revient dans votre magasin, si on revoit ces articles dans les rayons. Mais il y a des caméras partout. Madame, il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout. Non, mais dites pas aux gens, c'est interdit de filmer dans le magasin. Madame, vous dites à personne, c'est interdit de filmer dans le magasin. Monsieur, vous pouvez filmer. Si vos caméras nous filment, nous, on a le droit de filmer. D'accord, parce que vous croyez que... Attendez, il est où la tique? Vous croyez que mettre des sables sur un noir en disant le singe le plus cool de la jungle ne donne pas le droit de filmer? Vous voulez, vous êtes... Attendez, je vais vous montrer. Donne-moi le téléphone. Parce que là, vous êtes arrivé, madame, comme ça, je veux... Non, mais moi, c'est trop, madame. Là, il y a 2 minutes, il a dit, c'est lui le responsable du magasin. Il m'a dit, c'est lui. Elle est aussi responsable dans le magasin. Là, il s'excuse. Vous trouvez normal, ça? Je suis même pas au courant, donc expliquez-moi. Voilà. Non, mais parce que vous êtes arrivé en disant, on n'a pas le droit de filmer dans le magasin. Je ne suis pas le droit de filmer en magasin. D'accord. Mais nous, on est des militants. Non, mais nous, on a des militants. Voilà, nous, on a des militants, on a le droit de filmer. Nous, on a des militants. Vous trouvez normal ça, madame? En tant que personne noire, vous-même, vous trouvez normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est vraiment pas normal. Parce que là, on est gentil, parce que si on veut tout le magasin, on le casse, madame. C'est sûr. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est ça que je vous dis. Si vous voulez qu'on retourne le magasin, on peut le faire. On est beaucoup. On est beaucoup. Non, mais là, on est calme pour le moment. On est calme. Madame, regardez, vous trouvez normal. Madame, vous trouvez normal. Regardez. Il vous manque de respect comme ça en France et vous dites rien. Ils prennent un enfant noir, ils collent le pull. Je suis le singe le plus cool de la jungle. Pour faire leur pub, pour en plus s'excuser sur Europe 1 ce matin. Mais à un moment, faut... réveillez-vous les Noirs en France. Il faut se réveiller un moment. À un moment, il faut se réveiller la communauté. Moi, je suis chef, j'ai ma carte professionnelle. D'accord, là, il faut se réveiller. Même dans les lieux publics, j'ai le droit, j'ai ma carte professionnelle. Est-ce que vous avez. J'ai ma carte professionnelle, chef. Ouais, j'ai ma carte professionnelle, j'ai le droit. On a pris un contact et on va rendre visite au siège. Mais là, on fait la tournée de les magasins de nos secteurs. Parce que nous, on est des militants. Pour retirer tous ces modèles dans les rayons. D'accord, c'est vraiment pas normal. Ces modèles dans les rayons. D'accord. C'est pas normal. Vous trouvez normal? C'est pas normal. Donc vous retirez tout ça du rayon.
Vous les retirez du rayon. Mais vous travaillez avec qui? Monsieur, peu importe pour qui on travaille. Oui. Nous, on est un collectif de défense. Ok, nous, c'est les LDNA. Nous, on est de la communauté noire. Monsieur, on fume. Nous, on a droit. On a droit. C'est pour votre sécurité, notre sécurité. Monsieur, c'est pour votre sécurité, notre sécurité. Monsieur, vous, c'est quoi votre rôle? Vous voulez nous faire quoi?